Hey, salut à toutes et à tous, c'est Tranu, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel on va construire ce petit château qui est très facile à faire dans un début de survie puisqu'il n'y a que des blocs faciles à obtenir. Si ce tuto vous plaît et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. On vient de passer les 23 000 abonnés et on fonce vers les 25 000. Également, cette map et toutes mes autres maps sont disponibles en téléchargement sur mon Patreon. J'ai mon premier patron cette semaine, donc je suis vraiment hyper content. Ça me soutient très fort et ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour également. Rapidement, ce château ressemble à ça. Vous avez ici un grand espace au rez-de-chaussée pour une première pièce, une deuxième pièce très lumineuse ici, puis un escalier en colimaçon dans la tour qui vous permet d'accéder tout en haut au drapeau notamment, et à l'arrière, on a un balcon pour pouvoir regarder vos sujets. Allez, on attaque le tuto. Moi, j'ai reproduit le plan sur une petite colline, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. En tout cas, le plan, lui, il faut le reproduire. Et on va, sans plus tarder, commencer par faire la petite démarcation des murs tout autour. On va prendre de la roche, on va placer deux blocs ici pour commencer, puis on va prendre des murets en pierre taillée. On va en placer deux à gauche et un devant. On va remettre un bloc de roche ici, puis on va faire une croix avec de la pierre taillée. De cette manière. Cette croix va marquer l'angle du bâtiment qu'on va venir entourer directement avec des murets et on va remettre un bloc de roche à l'intérieur. On tourne un petit peu, on va venir directement refaire une croix par ici. Alors la croix, on va la faire là. Donc on commence ici, on refait une croix également en pierre taillée. On va venir une fois de plus entourer avec des murets, comme ça. Puis ici, on va faire une alternance entre des blocs de stone sur le béton rouge et des murets en pierre taillée entre deux. On va tout de suite venir en dessous changer le béton par des blocs de roche. Voilà, parce qu'après on fera le sol, comme ça. Et ici également. On continue à tourner, on arrive là. Alors quand on est ici, là en fait il fallait pas mettre de muret, pardon, il fallait mettre 1, 2, 3 blocs de roche comme ça. Puis on va en remettre 3 ici et dans l'espace restant, on va remplacer par de la roche puis mettre un muret en pierre taillée au-dessus. On vient poser, enfin remplacer 3 blocs avec de la roche sur lesquels on va venir mettre 3 murets en pierre taillée. Et entre deux, on va venir poser des blocs de roche. On en remet deux ici, comme ça. On passe à l'intérieur. On en rajoute deux là, un là et un ici. Entre les deux, on va remettre des murets de pierre taillée comme ceci. Là, on va compter 1, 2 blocs et au niveau du troisième bloc, on va mettre comme ça une roche. En fait, il y aura une tour. Et ça, c'est le centre de la tour. Et à partir de là, on va étirer ça sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Et une fois que c'est étiré, on va en remettre 3 ici pour dessiner une porte. Et là, on va redessiner l'autre mur de la tour. Donc vous voyez qu'on a une tour carrée ici. Ceci étant fait, on va se placer là. On va prendre des blocs de pierre taillée, on va en poser 1, 2, 3 ici, un autre devant, puis deux murs en pierre taillée. Donc là, vous reconnaissez un angle. On va reprendre de la roche, on va en poser ici à chaque fois en alternant jusqu'à arriver là. Entre deux, une fois de plus, on met des murets. Et en dessous des murets, donc la roche. Voilà. On refait une croix ici, donc la croix, hop, avec des blocs de pierre taillée. Bloc central, comme l'autre croix, on vient mettre ici une roche. Puis on prend des murets en pierre taillée et on va en poser 1, 2 et 3 comme ceci. On reprend une roche qu'on met là, on en remet deux ici
Et on va reterminer avec deux murets en pierre taillée, puis un dernier ici. On va tout de suite venir remplacer le sol interne, donc délimité ici par toutes les stones qu'on a mis, par des planches de sapin pour faire le parquet. Donc on va s'arrêter au niveau de la ligne ici et on remplace tout. Alors on va tout de suite attaquer en montant le mur ici. Donc alors ce mur, alors on va commencer directement par le coin ici. On va le monter ce coin sur 5 blocs de haut dans un premier temps. Donc là il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5. On remet des petits murets en pierre taillée à chaque fois entre deux. Comme ça. Ensuite, on va faire pareil avec l'autre. Voilà, donc on monte que deux murets puisqu'il n'y en a que deux. Et entre deux, le mur qu'on a là, on va également monter dans un premier temps sur 4 de haut. On monte ça sur 4 de haut avec de la stone. Puis le cinquième niveau, on va le faire directement en stone, comme ça. Et entre deux, on va venir mettre des murets pierre taillée. Donc là l'idée c'était de venir créer du relief dans le mur pour qu'il soit pas simplement plat et rajouter de la texture. Quand c'est fait, on va se placer à chaque fois qu'un pilier en roche, on va se placer devant et on va venir mettre une dalle en pierre comme ça qui viendra supporter la toiture. Ce mur, on va venir le refaire de l'autre côté. Donc l'idée c'est qu'on va refaire exactement les mêmes piliers ici. Hop, toujours en mettant soit des murets, soit des blocs sur 5 de haut. On refait le mur ici à l'identique et on refait ici un pilier qui va venir s'arrêter sur 2 blocs de large, non pas 3. Voilà, une fois qu'on a reproduit le mur à droite, je vous montre, c'est vraiment la même chose. Donc le pilier ici à l'identique en symétrique, là c'est pareil, mais un tout petit peu plus long comme mur. Et là, on a un autre pilier, mais qui s'arrête ici. On va s'attaquer au mur de devant. Alors, pour le mur de devant, tout. Donc on va se placer ici, on va prendre notre bloc de roche, on va monter jusque-là, toujours à 5 de haut. On va même monter à 6 de haut. Et on va en mettre un deuxième en haut, comme ça, pour faire une sorte de L. On fait pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5 pour faire 6. Et on en repose un. Ceci étant fait, on va venir là, monter sur 4 blocs de haut notre muret, qu'on va dédoubler. Comme ça. Puis, on va venir se décaler. Mettre un bloc là, et on va relier les deux pour faire un U. Ça, une fois de plus, on le dédouble. Une fois que c'est fait, on va venir prendre des murets en pierre taillée et on va venir tout combler. On comble à chaque fois l'espace qu'on a créé pour venir faire un relief qui encadre la porte, de manière à obtenir cela. Et ensuite, on va venir faire l'entrée. Donc pour l'entrée, on va prendre les murets qu'on va mettre sur 4 blocs de haut ici, 4 blocs également à droite de haut. Toujours en pierre taillée, on va prendre des escaliers qu'on va venir mettre ici à droite, puis à l'envers de l'autre côté. La même chose en symétrique, donc ici à gauche, puis à l'envers de l'autre côté. On va prendre des dalles, on va en mettre une là, une au-dessus, une ici, et deux autres comme ça. Une fois la porte faite, on va venir poser quelques blocs par-ci par-là. Donc là, on va mettre deux blocs de pierre taillée et un petit muret entre deux. Et là, on va se mettre ici. Alors, j'avais oublié de tirer ça vers le haut apparemment. Donc, je vais le tirer vers le haut. Et on va faire une grande ligne avec des escaliers en pierre taillée, comme ça, à l'envers.
Quand cette grande ligne est faite, on va prendre des blocs de roche et on va venir les poser ici tout du long également jusqu'à arriver au bout. On va venir de ce côté-ci où on va également venir reposer deux blocs là comme ça, tac tac, et un muret en pierre taillée. On va se remettre ici, on va reprendre les escaliers en pierre taillée qu'on va venir poser à l'envers ici jusqu'au moment où on arrive au mur qui est là. Et au-dessus, on va venir mettre, hop, voilà, des stones jusqu'ici. Quand c'est fait, ce mur, on va venir l'étirer jusqu'à la même hauteur que ce qu'on a fait là. Donc ça fait 5 nouveaux blocs sur un existant, donc 6 de haut. Et ça, on l'étire pour l'instant en faisant tout le tour. On étire tout autour pour obtenir ça. Évidemment, on n'étire pas avec des blocs de roche les murets, puisqu'on va les étirer avec le bloc similaire, donc des murets également, toujours sur 6 blocs de haut en tout. Là, le petit pilier central, on va aussi l'étirer jusqu'à 6 de haut, puisqu'on va avoir un escalier en colimaçon qui va monter tout autour. Et là, on va marquer la porte avec une ouverture de 3 blocs de haut, et on va venir combler ce qu'il y a au-dessus. Ce qui donne ça. Et on vient terminer l'arrière, ici, en montant tous les murets de stone jusqu'à 6 de haut pour ceux de droite. Et les deux qui sont ici seuls, on va les monter jusqu'à 4 de haut. On a deux blocs de différence et ces deux blocs de différence vont nous permettre, lorsque l'on va tout compléter avec des murets, de venir refermer au-dessus pour donner l'impression que c'est des renforcements, hop, qui viennent se plonger dans le mur juste pour venir le renforcer. Et là, on vient mettre des murets pour créer une petite, pour créer un petit relief et rendre le mur plus joli. Donc on y est, on peut également prendre un bloc de roche, le poser là, et un bloc de pierre taillée, le poser ici. On vient terminer le premier étage avec quelques détails pour l'intérieur. Donc on va reprendre nos blocs de roche, on va en placer ici comme ceci, qu'on va étirer à droite et à gauche pour venir toucher les poutres qu'on a déjà. On prend des dalles en pierre taillée, on vient les placer ici un demi-bloc en dessous pour venir combler et faire le lien entre les différents éléments. Quand ça c'est fait, on va alors prendre des dalles en roche, on va en placer ici tout du long pour faire une sorte de voûte. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, qu'on étire jusqu'au bout. Et quand c'est fait, on va reprendre toujours les mêmes dalles et on va les placer cette fois-ci ici, comme ça. Maintenant que le premier étage est terminé, on va passer à la tour. Donc on va prendre des blocs de roche, on va en placer 13 ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça, on va le faire au niveau des quatre côtés. Bon, je l'ai également fait au centre pour qu'on ait l'escalier en colimaçon qui le suive. Quand c'est fait, on va venir ici, on va placer 1, 2, 3 et 4 blocs comme ça. On va refaire pareil ici. Eux, les deux zigotos là, on va également les étirer sur 4 blocs de haut. Et en haut, on va venir faire la jonction là, qu'on va dédoubler. On va remettre un bloc dans chaque coin. Alors ça, cette partie en haut, on peut venir la refaire à l'identique sur les trois autres côtés. Et ensuite, on va venir combler les faces. Pour ça, on va prendre nos murets. On va en mettre ici, comme ça, sur la gauche. On en remet ici, sur la droite, comme ça. On vient en mettre un ici, en laissant deux blocs d'espace pour faire une fenêtre. Et tout le reste ici, il faut le combler avec des murets. Je le ferai en accéléré après. On passe à cette face ici, qui est exactement la même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter tout ça jusqu'en haut à gauche, jusqu'en haut à droite. On va laisser un espace de 2 en haut pour une fenêtre et on va venir combler tout le reste à un détail près que là,
notre double mur, enfin triple mur, on va également le monter avant jusqu'à ce qu'il dépasse de 3 notre pan de mur qui était ici. Donc ça donne ça, tous les espaces libres, il faut les combler avec des murets, sauf la fenêtre du haut, je ne sais plus parler. On passe ensuite à ce côté-ci. Donc ce côté-ci, on va compter 1, 2 de haut. Et au niveau du troisième, on va venir tirer un trait avec des blocs comme ça de stone. On va venir combler à gauche et à droite comme ça avec des murets. On laisse un espace de 2 de haut, toujours en haut pour faire une fenêtre. Et tout ce qu'il y a là, on peut le combler avec de la stone. Donc je le ferai aussi après en accéléré. Et on arrive ici. Alors ici, c'est un petit peu plus compliqué. On va prendre des blocs de roche. On va tirer une ligne ici dans un premier temps. Cette ligne étant tirée, on va venir poser 1, 2, 3 et 4 blocs. On en remet un cinquième ici pour faire une sorte de L. On refait la même chose de l'autre côté, comme ceci. Au-dessus, on vient placer 4 blocs comme ça et un ici. C'est assez détaillé, je sais. Et là, le reste, on comble avec des murets en faisant pareil, la même chose, un espace ici en haut de 2 de haut pour laisser une fenêtre, comme ceci. Et le reste doit être comblé avec des murets. Je fais tout ça en accéléré, comme ça vous le voyez, et on se retrouve après. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire tout en haut les créneaux. Donc pour les créneaux, on vient placer des escaliers à l'envers comme ceci, en pierre taillée. Au-dessus, on vient mettre un bloc à chaque fois. Puis on prend des dalles qu'on vient poser ici, entre deux. Et on repose des dalles au-dessus, ce qui donne de l'intérieur quelque chose comme ça. Ça, on le refait sur les trois autres faces. Et on en profite pour combler ici avec de la roche tout l'espace qu'on a. Vous noterez que j'ai laissé un trou ici qui longe notre colonne puisqu'on va venir mettre une échelle par la suite. Quand tout ça c'est fait, on va venir ici et on va faire un pont de façade pour le premier étage. Donc on va prendre nos blocs de pierre taillée, on va tracer une ligne ici tout du long jusqu'à arriver à ce bloc-là. Et au-dessus, on va venir faire des créneaux. Quand ces créneaux sont faits, on prend des blocs de roche, on vient tirer une ligne ici le long, on la monte hop, sur 3 de haut ici, même 4 de haut, et on vient refaire une nouvelle ligne qui arrive pile poil à cet endroit-là. Et ça fait un mur de 5 de haut. Quand c'est fait, on prend des murets en pierre taillée, on en pose en bas tout du long, en haut tout du long également, et on en met un ici dans le coin. Quand c'est fait, on reprend des dalles en pierre taillée, on en pose ici à chaque fois tous les deux blocs pour refaire un soutien pour le toit qui va venir. Quand c'est fait, on tourne un petit peu ici, on pose deux blocs là, trois blocs au-dessus en décalé, cinq blocs ici, dont un tout en haut, et après on redescend. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et là on peut descendre jusqu'en bas. On arrive là où le mur va être identique à celui-ci, sauf que cette fois-ci il sera un petit peu plus grand. Alors identique à peu de choses près, on va quand même le faire ensemble. Donc on va prendre des pierres taillées. On commence ici une fois de plus. On étire ça jusque-là. On vient au-dessus du bloc et on en remet un au-dessus. On fait les créneaux entre deux. Derrière, on prend de la roche.
On étire ici en bas tout du long. On étire jusqu'à arriver au bout ici. Ça, on le monte sur 5 blocs d'eau une fois de plus. On vient faire le lien entre les deux. Et là, tous les 3 blocs, on va refaire un petit pan de mur comme ça, une colonne. Et entre toutes ces colonnes, on va venir prendre des murets en pierre taillée et on va refaire la même chose que l'autre côté. Quand on a refait la même chose que l'autre côté, ça vous donne ça. On va revenir devant et on va terminer ici la façade de l'entrée. Donc on remet 3 blocs ici de roche, puis on en remet 3 en se décalant comme ça. Puis on en remet 5. 1, 2, 3, 4, 5, avec un en haut à nouveau. Et là on fait pareil. On vient une fois de plus combler tout l'espace qu'on a ici avec des murets. Et là, on vient à l'intérieur, on place 3 blocs comme ça, 2 comme ça, un ici et un là. On fait pareil là, 2 ici. De là, et on vient combler tout l'espace avec des murets. Ça doit vous donner quelque chose comme ça. On va se décaler un petit peu sur la gauche ici. On va tout de suite en profiter pour remettre nos supports pour le toit qui va arriver, comme ça jusqu'ici. On en profite également pour étirer là les pans de mur qu'on a. Donc ces pans de mur, on les étire jusqu'en haut. Hop, hop, comme ça. On remet un bloc là. Entre deux, on va venir prendre des murs en pierre taillée qu'on va monter jusqu'ici. Et on va pouvoir remettre une dalle en pierre là. On va revenir un petit peu sur la droite là. On va se placer au niveau du troisième ici, de la troisième dalle. On va mettre au-dessus deux blocs en pierre taillée. On va en remettre deux qu'on va dédoubler ici. Et ça, on va l'étirer sur 3 autres blocs de haut. Comme ceci. Et là, on va avoir notre cheminée qu'on va pouvoir venir placer. Donc pour ça, on met 4 feux de camp. Et autour, on vient mettre des trappes en sapin. Il ne nous reste plus qu'à faire le pan arrière du bâtiment. Donc on reprend des blocs de roche qu'on vient placer jusqu'en haut ici dans un premier temps. Ceci étant fait, on vient là. On place un muret en pierre taillée au bout, puis carrément des blocs de pierre taillée là. On va remettre 3 blocs de pierre taillée ici. Et tout autour, on va venir mettre des dalles. Là, on dessine un balcon. On met un bloc qu'on va casser après ici. Devant, on vient mettre un escalier et un autre à l'envers de chaque côté. Et entre deux, une dalle. Et cette dalle, on la repose ici. Et on va venir, après avoir mis des murets, reposer une autre dalle là. Le muret, on le monte ici jusqu'au niveau du mur. Quand on y est, on en remet un ici et un autre en symétrique pour dessiner une porte. Au-dessus, on vient replacer 5 murets comme ça, puis 3 autres murets là, puis un dernier muret ici. Alors on va finir 2-3 choses ici. Déjà, on va reprendre des blocs ici de stone. On va en placer là à chaque fois pour venir combler le trou qu'on a. Et ensuite, on va prendre des planches de sapin. On va faire tout le sol ici en empesant à chaque fois qu'on peut, sauf ici dans l'espace, sinon ça va casser le mur en façade. Donc on empose partout ici. Vous voyez qu'il y a des rebords. Je vais le faire en accéléré. Et on va en profiter également pour faire ici l'escalier en colimaçon. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, on commence dans le coin ici en mettant 4 dalles comme ça. On vient sur le côté, on repose 2 dalles mais un demi-bloc plus haut. Puis on refait une plateforme de 4, un demi-bloc plus haut. Puis on en remet 2 comme ça. Puis on refait une plateforme, puis on en remet 2 et ainsi de suite. Et on tourne comme ça jusqu'en haut. Et on s'arrête une fois que vous arrivez
à cet endroit-là. Normalement, vous aurez vos deux dalles ici et bien ici. Et c'est là qu'on s'arrête. Moi, je fais tout ça en accéléré et on se retrouve. Et quand on a posé les dernières dalles, on en remet deux ici avec des barrières pour éviter de tomber. On met des échelles tout du long pour pouvoir monter en haut. Et on termine avec un beau drapeau. Pour ça, on pose des barrières sur 6 blocs de haut, comme ceci. On met une dalle en haut. Puis, on pose un bloc de laine rouge là, un autre ici. On en remet deux ici comme ça en diagonale. On s'abaisse, on met un bloc de laine rouge là. Et ensuite, on vient remettre deux blocs de laine blanche ici pour faire un drapeau qui flotte au vent. C'est les couleurs que j'ai choisies. Vous pouvez évidemment en prendre d'autres. Et ensuite, on peut aussi venir mettre quelques bannières si vous le souhaitez. Donc, par exemple, en bas ici, au niveau de la fenêtre, on peut en mettre également ici, pourquoi pas, ou même juste au-dessus là, comme ça, de chaque côté. Et également ici. On peut le refaire à l'identique de l'autre côté, comme ça. Et voilà. Pourquoi pas une derrière. Allez, il a déjà fière allure, mais on va quand même lui donner un toit maintenant. Donc pour le toit, on va prendre des planches de sapin. On va se placer ici, on va faire dépasser de un bloc, puis on va étirer ça jusqu'au bout. Jusqu'ici en dépassant de 1. Ensuite, on va mettre une dalle là, des dalles là, puis on va alterner des blocs et des dalles en fait. Bloc, dalle, bloc, dalle, jusqu'en haut. Ça, on va le faire en symétrique à gauche. Et à chaque fois, ici, quand on aura un grand écart de 2, on viendra remettre des dalles pour faire un écart de 1 et faire une pente constante comme ça. Donc ça, on continue ici tout du long jusqu'à arriver au bout là. Quand on est au bout ici, eh bien, on a juste à... Vous allez arriver ici normalement. On s'arrêtera là, vous aurez quelque chose comme ça. Et on pourra venir mettre ici une pierre taillée entre deux. Donc là, on peut rejoindre les deux bouts. Quand les deux bouts sont rejoints, on a ça qui est terminé. Ici pareil, là il faut faire la même chose en symétrique ici, qu'on continue là tout du long à l'identique et qu'on vient refermer ici. C'est la même chose, je vous laisse le faire, ça nous fera gagner un petit peu de temps. Voilà, donc quand c'est reproduit vraiment à l'identique, c'est complètement symétrique. On arrive en haut ici, on vient mettre quelques dalles là et on termine en mettant des escaliers en sapin. Ça fait un haut du toit similaire au premier château que j'ai fait sur la chaîne. Et ce toit, on va refaire le même principe mais juste au-dessus pour celui-ci. Donc je vous montre rapidement. On prend des planches, on les pose ici, toujours au-dessus des petits supports. Ça, on vient les tirer avec des dalles tout du long ici jusqu'à arriver là. On vient ici, on alterne entre dalles et bloque systématiquement. Là, on aura les escaliers. Bloc, dalle, bloc, dalle, bloc, dalle, bloc, dalle. Ça, on les tire jusqu'au bout. Et ici, on vient refaire la même chose. Donc, ça fera des blocs, des dalles, redédale, bloc, dalle, bloc, dalle, bloc. Là, on aura les escaliers. Et ici, bloc, dalle, bloc et dalle. Donc je vous laisse tout finir.
Et quand on a tout relié les différents côtés, toujours de manière identique, on reprend nos escaliers et on vient en placer tout du long. Ce qui vient terminer le toit. Et de manière générale, ça termine le château. On a fait le tour, on a tout fait, on a terminé. Voilà, c'est la fin du tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker et à me soutenir sur Patreon si vous souhaitez télécharger cette map et toutes mes autres maps. Et sur ce, je vous dis à samedi pour un nouveau guide. Ciao, ciao tout le monde!